devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous, à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Coup de Chapeau. Et oui, le deuxième épisode de Coup de Chapeau Mister Freeze. Et aujourd'hui, bien tout simplement, on va relever un nouveau défi. Donc déjà, je vous invite, si vous avez des idées de défis à me proposer, et bien tout simplement, à les mettre dans les commentaires. J'ai relevé la dizaine de défis supplémentaires que vous m'aviez proposé dans la vidéo précédente, donc dans le premier épisode et ceux de l'épisode pilote. Et donc, on est parti pour ce deuxième défi que je vais piocher. Donc déjà, vous pouvez voir que j'ai un nouveau chapeau. Donc ce petit chapeau est un chapeau tout simplement, je sais pas du tout si vous le voyez ou quoi, je vais le mettre devant ma tête. Ce petit chapeau est un chapeau tahitien, est un chapeau polynésien, parce que j'ai eu la chance quand j'étais tout petit, grâce à mon papa, qui est marin, de pouvoir aller vivre en Polynésie. Donc on a des petits souvenirs comme ça qui sont assez cool. Et c'est donc un petit chapeau qui est tissé à la main. Et c'est bon, maintenant il est un peu trop petit pour ma tête, d'ailleurs c'est même pas le mien, c'était celui à ma soeur, il y a même son prénom ici. Et donc du coup bah j'avais envie de faire une petite vidéo avec ce petit chapeau, vu qu'en plus il y a un peu la mèche à la Justin Bieber avec je sais même pas en quoi c'est tissé, si c'est tissé en écorce de cocotier ou de bananier, je sais pas du tout, ou en palmier, je sais pas. Bref, on s'en fiche, on est ici pour relever un défi. Donc du coup, j'ai mon petit paquet de défis ici. Bon, là il y a qu'une petite poignée, il y a encore un peu à côté. Et donc du coup, bah je vais les mettre dans mon chapeau et on va pouvoir fouiller. Alors, je mets mes poignées, mes défis là-dedans. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a tout simplement tous nos défis là-dedans. Et ici, je sais pas, il est un peu petit ce chapeau, donc en fait, je peux pas mettre tous les défis. Et donc, du coup, on est parti, on va fouiller dedans. Hop. Voilà, j'en ai un. Donc on va vider tous les autres, on va remettre le chapeau sur ma tête. C'est bon, il n'y en a plus, hein. Le défi est là. On va remettre le chapeau sur ma tête. Et on va tout simplement lire ce défi. Soloter le dojo bouffetou en chantant la Macarena. Ah. Donc je sais pas si vous voyez bien, c'est ici. Donc moi je vous invite tout simplement à boucher vos oreilles. Bon, un défi pas très difficile, hein, soloter le donjon bouffe. C'est vrai que c'est pas le donjon le plus difficile, hein. C'est un donjon, peut-être pour ceux qui savent pas, c'est un donjon pour les levels 20-30. Mais en chantant la Macarena, ce qui n'est pas simple parce que tout simplement je n'ai aucune idée des paroles de la Macarena. Je connais l'air, ça fait Macarena. En fait, on connaît. En fait, je pense que c'est le cas de tout le monde. On ne connaît que le Macarena. Donc du coup, eh bien, on va y aller. On va aller à ce petit donjon bouffetou. Normalement, je dois avoir la clé. Je dois avoir le trousseau de clé. Donc normalement, il n'y a pas de souci. C'est Tanella le berceau et on va aller se soloter ce petit donjon bouffetou. Donc je vous invite vraiment à à boucher vos oreilles ou vraiment à baisser le son, car ça risque de pas être vraiment très très joli à entendre. C'est plutôt rigolo. Bon, le donjon bouffe, c'est vrai que ça aurait été plus rigolo peut-être de faire ça sur par exemple un donjon free-free qui dure une heure, où j'aurais pu chanter la Macarena pendant une heure. Là malheureusement je vais le chanter tout simplement pendant pendant 5 minutes. Donc allez, on est parti pour la première salle. En plus, les salles qui sont vachement loin. Je suis avec mon mode terre. Juste pour vous montrer, je suis avec mon mode terre à moitié de dopou ici. Attendez, je vais mettre mon mode dopou qui est là. Je vais donc mettre mon mode terre, où j'ai peut-être une meilleure idée. Je vais mettre mon mode Mrs. Freeze. Parce que c'est cool le mode Mrs. Freeze, j'aime bien. Là voilà, et je crois qu'il me manque que la mue, parce que par mes gardes, j'ai vendu l'amulette. On va mettre la DD armure carrément, parce qu'on est trop pip sur la bêta. Oui, on est sur la bêta tout simplement, parce que sur le serveur officiel, quand j'ai voulu tourner la vidéo, tout simplement il y avait la sauvegarde. Et normalement la sauvegarde là est à 16h, et normalement c'est à 16h30, donc j'ai pas eu la patience d'attendre les 10 minutes pour voir si pour voir tout simplement si la sauvegarde allait se terminer. Donc du coup je suis allé sur la bêta. Pour certains défis, ça ne change rien. Par exemple celui-là, ça ne change rien du tout qu'on le fasse sur la bêta ou qu'on le fasse sur l'officiel. Voilà. On va peut-être mettre nos petits trophées terre, parce que j'ai envie de les mettre, parce qu'on n'a pas d'autres trophées de façon à part cela. Voilà. Et puis on est parti. Je vais peut-être vérifier si j'ai monté Top Cage. Oh non, même pas. Vous voyez, carrément plus de difficultés. On n'a pas monté Top Cage. Donc ça va être encore plus drôle. Allez, on est parti pour chanter la Macarena en faisant le donjon bouffe.
non 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 Tan 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 tan, c'est le bouffetou chantant. C'est le bouffetou chantant. Macaré bouffe. C'est la macaré bouffe. La macaré bouffe. La macaré bouffe. La macaré bouffe tout. Tan 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 Macarena. Attendez, je vais juste essayer de trouver les paroles pour la chanter réellement pendant le Donjon Bouffe Tout. Bon, ok. c'est impossible à retenir les paroles, donc c'est pas grave, on va y aller en mode Osef, on va continuer à chanter, allez. Tan 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 la 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 ce bouffe tout m'énerve. Tan 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 tan. Donc j'ai réalisé ce défi, coup de chapeau. C'est vrai que une petite pointe de difficulté quand même. Hein. Il faut avoir du souffle pour chanter pendant presque 5 minutes le donjon bouffe tout en chantant la Macarena. Bon bref, en tout cas j'espère que ce défi vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer vos défis tout simplement dans les commentaires. Peut-être des plus difficiles ou des marrants. En tout cas que ça ne soit pas trop de l'IRL s'il vous plaît, parce que l'IRL j'évite de prendre, je trie quand même vos défis un minimum, que ça soit possible ou impossible. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et moi je vous dis allez bye tout le monde, tchuss. D'aller à tout cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo aspada la reagría. Y cosa buena, dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.